Der Abend verläuft ruhig. Die Zöllner sind nach Hause gegangen. Die Soldaten ruhen sich aus. 21h20. Un ronflement très atténué de moteur venant de la route de la Faucille retient l'attention des hommes. En dépit de la pénombre, leurs yeux distinguent bientôt une forme de véhicule qui fait penser à des autoblindés. Tous cherchent à reconnaître l'état civil des arrivants. Les yeux ont au fait de discerner sur les flancs des machines, blanches sur fond noir, la croix gammée. 21h30, les premiers lieutenants Despont et Roth gagnent rapidement le trottoir triangulaire que forme la frontière. Et comme ils y parviennent, les occupants des blindés allemands s'alignent sur un rang devant la barrière frontière bordée d'un drapeau à la croix fédérale. 120 saluts nazis ou des Heil Hitler déplacés, le détachement allemand prend la position et salue nos couleurs. 21h35, seuls les barbelés retiennent les soldats du 3e Reich de fouler le sol helvétique. Le temps pour nous de repérer le chef et de reconnaître si possible le grade, que déjà un soldat du Reich prend la position et s'annonce. Erlauben Sie, Herr Oberleutnant, Leutnant von Sicherheit. Hier sind wir doch in La Cure. Es ist doch richtig, oder? Et de déplier une carte et de pointer rapidement l'endroit où nous nous trouvons. Nous demandons alors à l'officier allemand la faveur d'examiner de près la carte qu'il tient entre les mains. Elle est à l'échelle de 1/80 millième et mesure 120 sur 160 cm. En lettres immenses, au-dessus du cadre, est gravé le titre Nancy-Berne. Le moindre tronçon de route utilisable pour les autos blindés est marqué, comme nous avons pu l'établir pour le secteur La Cure, Nyon-la-Côte. Pour donner le change, le premier lieutenant Roth demande. Von wo kommen Sie denn? Avec un certain cynisme, l'officier répond. Von Paris. So, Sie haben doch nicht heute Paris verlassen? Nein, jetzt kommen wir von Saint-Claude über den Col de Mijoux. Eine sehr gute Straße. Aber kalt ist es hier im Jura. Wollen wir nicht eine Tasse heißen Kaffee zusammen trinken? Cette intempestive invitation désoriente l'esprit timoré des deux officiels helvétiques subalternes. Les ombres de leur chef, commandant de compagnie, commandant de bataillon, commandant de régiment et celles surtout de leur commandant de brigade les paralysent. Toutefois, le premier lieutenant Roth reprend la parole. Unser Hauptmann ist von Ihrer Anwesenheit benachrichtigt. Wird bald hier sein. Sicherlich wird Sie zu einem Kaffee einladen. On se donne mutuellement du feu et on commence à discuter en camarades. Notre curiosité étant plus forte que notre prudence, nous demandons au lieutenant allemand de nous montrer ses autos blindés. Et nous voici officiers, sous-officiers et soldats suisses sur territoire français examinant des machines allemandes. 21h50. Derrière notre dos, des conjurations désolées. Des grincements de dents et des sommations se font entendre. C'est l'adjudant Devantet, chef du poste de douane, qui se voit déjà au peloton d'exécution pour avoir laissé filer sur sol français des grivers suisses. Contre nos barbelés, l'adjudant Devantet avait établi un cordon douanier imposant en le piquetant de tous ses hommes disponibles. Le lieutenant von Sichard, prenant notre barbelé entre les doigts, sourit et regardant ses hommes. Schaut mal diesen Faden an. Wo ist die Grenze? Avec beaucoup de sérieux et de complaisance, l'adjudant Devantet lui désigna la bande d'extrême droite et la ligne des orteils des commis de la douane. Insinuant alors un pied à travers les barbelés et le poussant sur sol suisse entre deux godasses helvétiques, l'Allemand proclama. Das neunte Land. Nous restons impassibles. Le premier lieutenant Roth questionne l'Allemand. Haben Sie wirklich alles mitgemacht? Wo waren Sie denn? Tschechoslowakei, Polen, Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg. À ce moment précis, survint sur la route de Moret une Française sans coiffure ni rien. Paraît que les Boches sont là. Que vais-je devenir? Coup de théâtre. Le lieutenant von Sichard, qui jusque-là s'était toujours exprimé dans sa langue maternelle, répond courtoisement en un français impeccable. Oui, madame, nous sommes là. Mais je ne vois pas ce que vous avez à craindre. Retournez chez vous. Il ne vous arrivera rien. Je vous en donne ma parole. Bon, alors je me rentre. Bien le bonsoir à tous. Et elle s'en retourna sans s'inquiéter davantage. Dans les voitures, les tireurs sont aux pièces, prêts à faire feu. À quelques centaines de mètres, le fort des Rousses demeure silencieux dans les ténèbres. Une seule rafale de mitrailleuses anéantirait, sans distinction de race, tous les acteurs de cette imprévisible mise en scène nocturne. Comme von Sichard fait mine d'entrer à l'hôtel franco-suisse pour s'y ravitailler, notre commandant lui fait remarquer que le restaurant est sur Suisse et qu'il ne peut y pénétrer. Mais l'officier allemand qui est au courant du fait lui fait remarquer à son tour que la frontière passe au milieu du café.
Pour éviter tout conflit, le capitaine lui offre une consommation sur la terrasse, qui se nomme, côté français, Hôtel Harbé. Durant une petite heure, on déguste le café, car ces guerriers-là ne consomment pas d'alcool. En revanche, ils fument beaucoup, et le Herr Lieutenant détient dans son auto de commandement un magasin de tabac richement assorti. 23h10, subitement un appel TSF interrompt la conversation. Von Zichard reçoit l'ordre de rejoindre Saint-Claude. Sans préambule, il s'annonce partant.